Et salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va se retrouver pour la série Construction Simulator. Oui, effectivement, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Donc du coup, là, j'avais envie de vous en faire un petit peu. Donc pour le coup, voilà, on se retrouve tout de suite après l'intro en game. Donc du coup, bon bah dans le dernier épisode, on avait chargé celui-ci. Donc du coup, je vais regarder quand même comment on fait pour mettre les sangles, parce que ça fait longtemps que j'ai pas été sur ce jeu et je me rappelle plus du tout comment qu'on fait. Alors papa, tâcher les sangles, sangles, sanglito. Ah non, je vais descendre, je crois. C'est quoi déjà? C'est F pour descendre. Et ça va être F pour mettre les sangles. Yep, voilà. Hop, F pour remonter. Donc du coup, on peut la virer. Donc j'espère que vous allez bien les amis, parce que moi ça va super, super bien. Donc du coup, on va retourner sur le chantier. On va aller mettre ça sur le chantier. Donc pour le coup, on va avancer tranquillement. On va avancer tranquillement. Donc j'avais fait un sondage il y a quelques jours par rapport aux vidéos pour voir un peu qu'est-ce qui vous plairait, si ça vous plairait davantage d'avoir des vidéos plus longues ou plus courtes hein, pour le coup, parce que j'avais mis une variance assez large, je trouve, entre 10 et 35 minutes. Vous avez été jusqu'à 59%, si je dis pas de bêtises, à choisir 35 minutes. Donc pour le coup, bah, les vidéos vont faire ce temps-là, 35 minutes à peu près, grosso merdo. Donc du coup voilà. Attends, parce que ouais, le chantier est bien là-haut. Donc du coup voilà, l'épisode va durer 35 minutes. Je pense que ça va être pas mal. Après voilà, on va essayer de garder quand même une activité assez bonne au niveau des jeux vidéo. Enfin, au niveau des. Je vais faire un tour. Au niveau, comment dire. Au niveau du nombre de vidéos par semaine, parce que je vous avais dit que je vous en ferai à peu près deux par semaine pour l'instant. Après, on va voir par la suite si j'en fais plus ou pas. C'est surtout aussi au niveau de mon temps libre, enfin mon temps libre, au niveau de mon temps, si je peux le faire. D'accord, ok, on commence bien, et là, ça monte pas. D'accord, alors ça commence bien, il y a un bug. Un bug de collision, ça c'est pas mal. Bon, au pire, ce qu'on va faire. On va y aller. Bon, on va y aller à la grue, hein, tout simplement. Tant le camion, il en chie à monter. Hein. Oh la vache! Le camtar, il en chie, il en chie, il en chie, il en chie. Ça aurait été plus simple que je me mette là-bas. Mais bon. Ouais, c'est pire, on va se mettre là-bas, les amis. On va se mettre là-bas, ça va être plus simple. Tiens, par contre, le camion, il a aucune pêche, quoi. Oh, en montée, je suis à peine chargé. J'ai quoi? J'ai que 3 palettes. Ah, bah, heureusement que c'était pas un camion plein qui fallait choisir, hein, ou non dédié. Heureusement que c'était pas un camtar plein. Hop, donc pour le coup, on va aller faire ça. De nouveaux contrats sont disponibles. D'accord. Ok. On va aller se mettre par là. D'accord. Je sais pas si vous avez vu, mais il y a la voiture qui a dépopé devant nous. Pas mal. Hop. Donc du coup, que je me rappelle comment que ça fonctionne cette histoire. Comment baisser les vérins de calage? Je crois que c'est comme ça. Là, en plus, j'ai le camion qui bouge. Bon, ok, j'ai le camion qui glisse. Alors là, pour le coup, je sais pas pourquoi c'est. Ouais, le jeu, d'un coup, se met. Ok. Ça, c'est du jeu bien optimisé. Ça, c'est du jeu pas buggé. C'est pas grave. Bon, on va se mettre d'une autre façon, hein, puis c'est tout. Hop. Voilà. Donc, pour le coup, a priori, d'après ce que j'ai pu voir, mes sons y prêtaient plus attention que ça. Comment on fait pour le mettre au level, hein? Ah oui, c'est Q et U. Hop. C'est Q et E. Est-ce que ça va moins le chier? Ah, voilà. Chose qui est mieux. Déjà, si j'appuie sur R à la place d'appuyer sur E, c'est sûr que c'est pas pratique. Hop. Donc, on va baisser les vérins hydrauliques pour pas cabaner. Voilà. On va passer en mode grue. Et puis, on va sortir la grue tranquillement. J'ai oublié de faire un truc. F. J'ai oublié de faire un petit truc. Hein, c'est de. Hop, désangler. Parce que si on désangle. Ah, bug. Si je désangle pas, bah évidemment, ça ne marchera pas. Donc voilà. Hop. Donc pour le coup, voilà, on va essayer de faire des petites choses. Alors, a priori, on pourrait faire du multi, mais est-ce que je pourrais vraiment faire du multi? Est-ce que ça fonctionne correctement? Ça, je sais pas. Il y a un membre de la team, Loïc, qui a ce jeu-là. Il m'a manifesté son envie de participer à cette série. Donc après, pourquoi pas à l'avenir, est-ce que on pourrait essayer
On pourrait essayer de faire un multi, pourquoi pas, ça pourrait être sympathique, parce que comme vous le savez, évidemment, Loïc pour l'instant ne participe pas à la ferme, aucune limite, Flo non plus, parce que tout simplement, parce que tout simplement, on n'a pas les... tu vas voir, je vais être trop court. Je vais être beaucoup trop court. Yeah, Niki! Ah, bon bah c'est pas grave. Au pire la palette c'est quoi? Je vais la poser là. Hop. La palette je vais la poser là. On va remettre le camtar. On va baisser les béquilles, on va se replacer. Parce que ouais, je pensais avoir assez de longueur, mais en fait non, j'ai pas assez de longueur. Bon bah ça c'est dommage. Ça franchement c'est dommage. Donc j'espère que en tout cas le contenu vous plaît toujours les amis. Vous pouvez me le dire en commentaire si vous souhaitez voir d'autres jeux, quel style de jeu vous souhaitez voir. Parce que voilà, je peux quand même voir pour investir dans des nouveaux jeux ou pour faire des découvertes tout simplement. Hop, attends, non, c'est faut que je fasse comme ça. La grue doit être bien rétractée. Sérieux? Hop. Ah, il faut que je la rappuie au max. Ah, sérieux, il faut que je la ramène tout complètement. D'accord, bon. Alors ça, par contre, c'est un peu chiant. Hop. Allez, on la replie. On la remet à sa place. Donc oui, c'est vrai que je joue avec des jeux qui sont assez vieux. Beaucoup, oui, c'est vrai, mais bon, c'est le truc aussi, c'est que je trouve pas forcément des jeux qui me font kiffer. Ah non, c'était ah moi le, ouais, c'est ça. C'est ouais, là il y a un petit bug, il met Q alors que c'est A, parce que je suis du coup pour jouer à ce jeu, je suis obligé de me mettre en mode anglais, le clavier, je suis obligé de le mettre en mode anglais parce qu'autrement eh ben ça ne fonctionne pas. Autrement ça ne fonctionne pas. Puis les touches complètement paumées. Donc voilà, j'ai pas l'habitude de jouer dans ce style-là. Donc au pire, on va ce qu'on va faire. Normalement, je suis pas censé faire ce genre de manœuvre-là niveau réalisme. Mais pour le coup, on va le faire quand même. Hop. J'espère que le patin en tout cas ne sera pas dehors. Ne sera pas dans le trou. Non, c'est bon, le patin n'est pas dans le trou. Hop, on attend qu'il y a tout qui se lève. Voilà, magico. Hop, on ressort la grugru, la gugu. Hop. Donc on va reprendre la palette qui est là-bas. Et puis on va aller l'emmener là où je devais l'emmener, pour le coup. Là où je devais l'emmener. Hop. Donc c'est vrai qu'on fait sur cette chaîne-là, c'est vrai qu'on fait pas mal de farming. Donc je vais m'expliquer un peu pourquoi. Parce que tout simplement, de base. Putain, me dis pas que je vais être encore trop court. Non, sérieux? Ah, je vais être. Ouh, je vais peut-être limite. Ouh, ça va être juste au bord, quoi. Ouh, ça va être juste. Attends, je peux grimper encore. Ouh, je suis vraiment au bout, quoi. Je suis vraiment à bout. Au bout, 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 bout. J'espère que ça va. Ah oui, si, ça accepte la mission. Ça accepte la mission. Oh là, d'accord, ok. Ça s'appelle du bug. Alors, je sais pas pourquoi j'ai mon jeu qui. Pourquoi il ne veut plus que. Non. Sérieux? Je peux plus rien faire. Ici, c'est bon. Hop. Pierre, on va la poser à côté du plot. Hein. C'est le mieux, l'idéal, c'est de la poser à côté du plot quand même. Hop. Alors, ça a bien pris la mission. Donc, du coup, on n'a plus qu'à rétracter ça pour aller chercher la deuxième. Hop là. Hop. Donc ouais, j'ai tendance encore à me tromper avec les touches. Bon, c'est vrai que voilà, 2 vidéos par semaine, c'est vrai qu'au début, quand avec tous les jeux qu'il y a sur la chaîne qui est commencé, c'est vrai que j'avais à ce moment-là, j'avais pour l'ambition entre guillemets de faire une vidéo par jour. Mais pour le coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'aime beaucoup les, j'aime, enfin, je préfère faire des lives en ce moment. Donc voilà. Je préfère faire des lives en ce moment. Donc c'est vrai que niveau vidéo, bah il y en a moins. Il y a moins, c'est vrai qu'il y a moins de vidéos parce que voilà, il faut bien que je me repose un peu. J'ai aussi une vie personnelle avec Ingrid.
On est un peu une vie personnelle, on a des choix à s'occuper, donc c'est vrai que c'est un peu. Ça prend pas mal de temps et bah pour le coup voilà je peux pas être non plus être H24 derrière mon PC parce que quand je suis pas en train de tourner, il y a peut-être des choses aussi que je suis en train de faire pour que pour améliorer certaines choses, par exemple. Je suis en train de faire des choses pour améliorer la chaîne, comme par exemple les alertes YouTube pendant les streams. Voilà, j'ai modifié ça il y a quelques j'ai modifié ça il y a quelques jours. J'ai eu un copyright à cause d'une alerte donc pour le live de 11 de pour le live de 12 heures. Bon bah ça c'était un peu pas de bol. C'était un peu pas de bol à moi parce que bon bah voilà, j'ai pris le risque et puis bah du coup bah voilà, je me suis fait avoir donc pour le coup voilà, c'est pas grave. J'ai changé du coup l'alerte hier et a priori, ça a l'air d'être bien passé donc bon. On va voir à l'avenir comment que ça se passe si je reçois un message comme quoi il y a du copyright. Hop, allez, le dernier colis. On va aller l'emmener là-bas. Donc ouais, c'est vrai que si je peux faire un petit reproche quand même à ce jeu, c'est que niveau... niveau... Un niveau vitesse, hein, c'est vrai que c'est un peu lent, mais bon, en même temps, vu que c'est un jeu qui se joue beaucoup au clavier, c'est vrai que si c'était plus rapide, comme par exemple sur Farming, moi c'est ce que j'ai remarqué, hein, sur Farming, si vous jouez au clavier et que vous réglez, enfin que vous baissez pas la vitesse, vous baissez pas la vitesse. La vitesse des axes, de vos axes, donc pour le coup ça va très très vite et en fait vous avez énormément de mal, vous avez énormément de mal à faire quelque chose de propre que vous avez envie de faire et ça franchement c'est vrai que ça peut être un peu dérangeant. Tac, allez on replie le camion grue. Mais en tout cas, je trouve que les manipulations, etc., c'est vrai que de cette façon-là, elles sont très fluides. Bon, il faut être patient parce que c'est vrai que quand on n'est pas patient, bah voilà, c'est pas forcément évident. Donc, du coup, voilà. Mais bon, après, peut-être qu'à l'avenir, hein, peut-être que voilà, ce jeu va s'arrêter tout simplement et puis bah, on va passer sur autre chose. Parce que c'est bien de changer aussi régulièrement. Mais bon, voilà, j'ai envie de découvrir quand même le jeu, continuer à le découvrir. Parce que voilà, si on ne découvre pas, bah. Enfin, si on ne découvre pas. Si on veut, si je veux aller jusqu'au bout, parce que vu que j'ai acheté des DLC avec, j'ai envie quand même d'aller jusqu'au DLC, parce que là, ce jeu-là, il tourne avec des niveaux. Donc, du coup, voilà, si ça serait un peu bête d'avoir acheté le jeu complet avec les DLC et de ne pas s'en servir, dans ce cas-là, ça aurait été plus rentable pour moi de. Enfin, plus rentable. Entre guillemets, je me suis compris, ça aurait été mieux pour moi de ne pas avoir pris les DLC si j'avais pas l'intention de m'en servir, quoi. Donc du coup, voilà. Tac. Donc après, voilà, je peux très bien faire des choses. Voilà, après on verra si on peut essayer plusieurs choses. Là, on fait des petites missions et au fur et à mesure, voilà, pour se faire de l'argent aussi, parce que si on se fait pas de pognon, ça va pas servir à grand-chose. Alors, obtenez une semi de safrourine de la pépinière et transporter la cargaison dans la zone destinée. Si de construction, obtenez une semi de 10 feux de pépinière. D'accord, alors pour le coup, moi j'ai pas de camion, je crois. Moi je n'ai pas de camtar. Non, c'est des semis qu'il faut, c'est. Oh, d'accord, ok, ça c'est des bugs. Voilà, c'est des petits bugs à la con comme ça qu'on voit souvent. C'est. Ouais. Voilà quoi, c'est moyen, c'est moyen. Donc du coup voilà, bon bah j'espère que en tout cas le contenu de la chaîne va vous plaire, surtout pour ceux qui viennent d'arriver. Donc je vous souhaite à tous la bienvenue quand même. C'est la moindre des choses. Donc du coup il a dit qu'il fallait que j'aille à pépinière. Non ça c'est la gravière. À la pépinière, à tous les coups, je crois qu'il y a la perpète des eaux en plus. Bureau. La scierie. Scierie. Pépinière. Non, ça va, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la pépinière. Non, non, je suis pas sûr. Mais non, je suis pas sur farming. J'allais utiliser mon volant, mais en fait, non, j'ai. Non, 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 GG, il faut arrêter ton délire. En quoi j'ai remarqué que j'ai plus de bugs avec le volant, parce que c'est vrai que quand je laissais le. Ah, si, il marche avec le volant. Est-ce qu'il tourne? Non, l'axe principal ne fonctionne pas. Bon. D'accord, ok, bon, bah maintenant, je vais être obligé d'accélérer, d'utiliser l'accélérateur pour faire le. D'accord, bon, bah c'est pas grave.
Ouais, donc du coup, on va voir un petit peu au fur et à mesure du temps, voilà. Et puis après, moi, si j'en ai marre, j'en aurai marre. Et puis je passerai sur autre chose aussi. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie de voir quelque chose en particulier, si bah, si la vidéo vous a plu pour le coup, parce que franchement, c'est intéressant aussi à savoir. Hein, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez du jeu. Et puis bah, pour le coup, si vous avez envie de voir un certain jeu, donc je vous rappelle quand même que la chaîne c'est quand même basé sur la simulation. Après, pourquoi pas faire un petit peu d'arcade, ça peut être sympathique. Par exemple, faire du Panic Coaster. J'aimerais bien faire du Panic Coaster. J'aimerais bien essayer ce jeu-là. Il faudrait que je vois combien qu'il coûte exactement, si c'est possible de le prendre ou pas, parce que voilà, j'ai envie d'essayer, mais apparemment il est assez gourmand. Donc du coup, il faut que j'aille voir un peu plus près comment qu'il fonctionne. S'il est vraiment très gourmand ou pas, parce que si c'est vraiment trop gourmand, bah qu'il y ait mon PC, s'il suit pas, il suivra pas, quoi. Donc voilà. Donc après aussi, comme vous le savez, il y a Ingrid qui vient d'avoir son PC, donc pour l'instant, bon bah on peut jouer que sur Breath of Tank et Farming avec elle, parce que bah, simplement le PC qu'elle a actuellement, il arrive à bien faire tourner tout ça, mais le problème c'est que petit disque dur, donc qui dit petit disque dur, qui dit pas de place. Donc qui dit pas de place, bah qui dit pas mal beaucoup de jeux. Donc du coup voilà, donc la variété des jeux, voilà, va pas. Oh, c'était là. On va pas s'amuser à faire. On va pas s'amuser à faire. À désinstaller, réinstaller tous les jeux, parce que déjà ça va prendre un temps fou. Et puis voilà quoi. Déjà installer Farming. Vous avez découvert la pépinière. Déjà ça va prendre un temps phénoménal. Déjà tous les jours, enfin tous les jours. Ah si, j'ai le bug. J'ai retrouvé le bug. D'accord, ok. Bon, alors ça sera la coupure. Donc, voilà, normalement. Non, j'ai toujours ce satané bug. Ah, purée, c'est pas vrai. Bon, bah, les amis, on va faire une petite coupure après ce petit troll là, et puis on revient dans le jeu. Donc, du coup, donc voilà, je suis revenu de mon petit troll. Donc oui, il y a bien un conflit, je me disais, c'est bizarre, parce que d'habitude ça me le fait tout de suite. Donc avant que je lance la vidéo, je le vois, donc là j'ai juste à faire la coupure. Mais là pour le coup, je sais pas pourquoi, bah, ça me l'a fait. Donc du coup voilà, bon bah c'est pas grave, hein, on va pas faire ça. Donc il m'en faut un et un, d'accord. Acheter. Donc mine de rien quand même, ce jeu là ça fait promener pas mal, ça fait manipuler beaucoup de palettes, je trouve. Ah et puis en plus il me les a logés là ou quoi. D'accord, ok. Bon, on va aller se mettre à l'endroit désiré. Hop. Donc on va mettre les vérins de carrelage. En tout cas, je trouve que la. Autrement, sinon, la 3D dans le jeu, je trouve qu'elle est pas mal. Franchement, elle est vraiment pas mal. Hop. C'est vrai que ce jeu-là, de base, il me faisait envie déjà depuis un moment. Je l'ai découvert grâce à Galax. C'est lui qui m'a fait découvrir ce jeu. Donc, pour coup, c'est pour ça que j'ai envie d'y jouer et aussi bah, de partager en fait mon expérience de ce jeu avec vous. Et bah, pour coup, a priori, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Et franchement, jusque-là, je suis pas trop déçu, à part quelques petits bugs, on va dire, quelques peu, merde, quelques petits, ah, c'est pas mal ça. À part quelques petits bugs, voilà, comme vous pouvez voir, c'est vraiment des petits bugs mineurs, mais bon, voilà, ça reste quand même un jeu de. Je commence à m'embrouiller avec les touches, ça va pas le faire. Je commence à. Je sais plus ce que j'allais dire. Ah oui, bien, GG. Ah bien, 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 bien. Voilà ce qui se passe quand je suis concentré à faire quelque chose et que après, là, je suis en train de parler d'un truc en même temps. Donc oui, ouais, ce que je disais, c'est que voilà, ce jeu-là, il me plaît pas mal. C'est vrai que je suis pas trop déçu de l'avoir acheté. Enfin, je suis même pas déçu du tout de l'avoir acheté d'ailleurs. Je suis pas déçu du tout. On va essayer de faire les choses à peu près propres quand même. Bon, ça va faire comme ça. Hop. Alors, pour le coup, est-ce que la patte qui est là-bas, j'arriverai à la choper? Est-ce que j'arriverai à attraper la patte qui est là-bas, à votre avis? Oh oui, large, 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 large. Donc du coup, voilà, ouais, donc là, ça fait, on va faire 35 minutes de vidéo. Donc après, je vais voir au montage si je fais des accélérés à certains moments ou pas. Après, voilà, c'est aussi ça.
Mais pour le coup, voilà, moi j'aime pas trop faire d'accéléré, ce genre de truc-là. J'aime pas trop, moi c'est pas trop mon trip. Après, quand je vois que c'est vraiment nécessaire, je le fais parce que voilà, même moi, bah, si je vois que ça va me saouler, bon bah, je sais très bien que moi, si ça me saoule de le faire, entre guillemets, vous, ça va être chiant aussi à. Ça va être chiant aussi à. Bah, à voir quoi, tout simplement. Vous allez finir par vous ennuyer, c'est pas trop mon but non plus. Voilà, c'est mon but, c'est de partager quand même quelque chose qui me plaît énormément. Donc, du coup, voilà, c'est pour ça que sur cette chaîne-là, vous aurez pas que du farming, même si le jeu de base de farming, pas le jeu de base, c'est farming sur cette chaîne, mais pour le coup, voilà, vous allez avoir d'autres jeux, donc c'est une chaîne un peu multigaming, donc pour ceux qui connaissent pas la chaîne, voilà, ça va vous donner un petit peu la petite chose. Pourquoi il masse pas? Ah non, parce que je suis pas sur le camion. Hi. Google. Du coup voilà, ça va vous donner un petit peu ce que vous pouvez voir, ce que vous allez, ce que vous pouvez potentiellement trouver sur la chaîne. Donc voilà, tout ce qui passe par American Truck, ce genre de truc là. Voilà, vous avez dû voir déjà un épisode la semaine, je crois que c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant, je sais même plus. Je sais même plus de quand j'ai fait le dernier épisode. C'est pas mal, hein. Enfin, je l'ai là. Il a été fait le 5 avril dernier. Donc voilà, ouais, si ça fait un moment déjà, ça fait 15 jours que je vous ai fait. Donc voilà, régulièrement je change de jeu parce que voilà, toutes les semaines, avoir tout le temps les mêmes jeux, etc. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va devenir très vite relou. Donc voilà, c'est pour ça que là pour l'instant, il n'y a que 2 vidéos par jour. Comme ça fait un roulement toutes les semaines, c'est pas les mêmes jeux qui sortent. Après, pour les préférés, pour la ferme aucune limite par exemple. Ça pour l'instant, je pense que voilà, 1 vidéo par semaine, c'est pas mal. Après, il faudrait que je vois si j'ai le temps. Si j'ai le temps de faire la vidéo ou pas, parce que voilà, le temps de montage, le temps de etc, ça prend du temps, et bah pour le coup je pense que la vidéo, hop là, pan, joli panneau, hop, ça prend du temps à faire tout ça, et puis bah voilà quoi, tout simplement, hop, wouh, bon bah, la voiture elle a pris une cale tout le jeu, tac. Donc pour le coup je pense que même il va y avoir même carrément un décalage entre le tournage et la vidéo. Je pense qu'il va y avoir à peu près 24 heures. Parce que comme ça moi j'ai le temps de la monter. Parce que généralement avec le montage, etc. Là pour vous dire, moi il est 14h25 à l'heure où je tourne là. Donc j'ai pas encore fini de tourner l'épisode. Hein, ça fait que 20 minutes. Ça fait que 20 minutes qu'on tourne. Donc du coup voilà. Le temps que je fasse le montage, et puis après il faut qu'on aille voir les choses, parce que pour l'instant on n'a même pas encore été voir les choses, donc voilà, on va y aller après le tournage je pense, ou après le montage, suivant le temps que j'estime de montage. Si j'estime que le temps de montage est trop long, bah, pourquoi on ira voir les choses, et puis je finirai comme ça, voilà. Parce que après voilà, le soir aussi vous avez des lives, en ce moment vous avez des lives quasiment tous les soirs. Vous avez des lives quasiment tous les soirs, donc du coup voilà, il faut que j'ai quand même un temps pour me reposer quand même, parce que bah, mine de rien, ça fait énormément de temps, mine de rien, entre les temps en live et les temps de tournage, les temps de montage, bah, mine de rien, ça fait beaucoup beaucoup de temps. Voilà, on n'est pas des robots, donc du coup bah, au bout d'un moment on fatigue, et puis aussi il y a aussi le moment où on va se lasser, parce que si on se lasse, bah, automatiquement bah on veut plus faire et on n'a plus envie, l'envie n'est plus présente, et puis bah pour le coup vous aussi vous allez le voir, et puis vous allez vous dire ouais non il se force, etc, il fait ça pour l'argent, nanana, alors que pas du tout. Après c'est sûr que moi je dis toujours que tout travail mérite salaire, donc c'est vrai que voilà, que maintenant la chaîne est monétisée. Bah pour le coup ça va faire un petit plus, ça va quand même me récompenser en plus de vos dons que vous faites en live, parce que franchement pendant les lives, tous les dons que vous nous faites, les super chats maintenant qui sont activés, hier c'était le premier live avec les super chats, vous êtes carrément lâché avec les super chats, vous avez fait les fous, non mais quelque chose de malade, franchement c'est énorme. Donc comme ça bah les dons, comme j'ai dit, les dons qui ont été faits hier vont servir pour le setup Ingrid. Donc pour le coup là c'est le prochain achat, ça va être le volant, donc pour le coup a priori il y aurait assez, donc j'attends de voir comment récolter les sous avec les super chats, parce que ça arrive pas sur PayPal tout de suite, je sais pas encore comment que ça marche, donc j'attends de voir comment que ça marche pour pouvoir rassembler les sous et commander son volant, et pour le coup après bah, il restera plus que la chaise, sa chaise gaming et son bureau, et comme ça après elle aura le setup de base complet, elle pourra game avec nous autant qu'elle voudra, et ça sera beaucoup plus facile pour elle, parce que là pour l'instant
aller sur la table à manger, hein, tout simplement, aller sur la table à manger en train de game avec son PC portable. Donc pour le coup, bah, pour elle, c'est pas pratique. Les chaises sont pas conçues pour rester affaissées sur un PC pendant plus de 2 heures d'affilée. Voilà, elle commence à avoir mal, elle a mal au dos au bout d'un moment. Et puis après aussi, le poignet prend une claque, hein, parce qu'elle a été, elle a eu un, elle a eu un problème avec son poignet. Donc du coup, elle a eu une opération et du coup, ça l'a fragilisé. Donc pour le coup, voilà, à jouer sur le clavier, être comme ça, bah, au bout d'un moment, son poignet lui fait mal. Donc du coup voilà, ça l'empêche de jouer et puis elle prend moins de plaisir qu'avec un volant et ça bah moi ça me dérange un petit peu donc du coup voilà franchement c'est vraiment cool qu'elle puisse qu'elle puisse bah, déjà obtenir enfin son PC et de pouvoir faire les choses bah, que dans le sens qu'elle le veut en fait tout simplement elle n'a pas besoin de faire bah de faire une pause tous les 5 minutes comme elle fait actuellement parce que là elle joue un petit peu avec nous puis après elle arrête parce qu'elle en a marre donc du coup voilà alors du coup qu'est-ce qu'il y a à faire là il faut que je vire la machine je pense il va falloir que je sorte l'appel. Hop, on va falloir sortir l'appel je pense alors que je me rappelle comment qu'elle marche là. Ah, pas bon. Hop, on va sortir l'appel parce que je pense que normalement la mission est quasiment terminée là. Hop. Bon, pire, je vais le mettre sur le trottoir. Voilà, fini. Oh, joli! Ah, le bug! Ah oui, le bug! Ah oui, le bug! Oui, joli! Ah oui! Ah, carrément! Ah ouais! Ah oui! Ah ouais! Alors, quand je vous parle de bug, hein, voilà. Voilà, quand je vous parlais de bug, putain sérieux, quand je vous parlais de bug, vous voyez, on était là-bas là, on était par là, on était là-haut. Est-ce que moi je vais pouvoir vous montrer de là? On était quelque part par là. Non, on va pas, je vais pas pouvoir, parce que j'ai ma main qui coupait. Ah, la main qui coupait, coucou! Donc ouais, j'étais quelque part par là-bas, là-bas, au niveau de ma souris là-bas, et bah pourquoi on a atterri là? Bon. Bon bah c'est pas grave, en tout cas la mission elle est terminée, donc on a fini cette mission. Donc on est monté à 85 000 euros. Donc on va peut-être pouvoir bientôt voir pour acheter un nouveau véhicule. Et pour le coup, ça c'est vraiment pratique. Après je vais voir si pour avancer je ferai pas un peu de off. Par exemple pour des. Voilà, pour faire de la thune. Mais il faut que je vois aussi en multijoueur s'il n'y a pas moyen d'être sur la même game ou pas, si c'est une game à part. Donc voilà, je vais voir aussi parce que les temps de tournage ne seront pas forcément valides avec notre ami Loïc. Donc pour le coup, voilà, ça reste encore à voir. Hop. Voilà, donc du coup, tac, ça c'est torché, ça c'est fait. Bon bah pour le coup, on va peut-être se trouver une nouvelle mission à faire quand même, voilà, pour démarrer, hein, pour continuer dans notre aventure de construction simulateur. Donc du coup, contrat, ça va être par là les contrats chantier. Hop, donc vous avez 5 nouveaux contrats. Alors, 28 000, 32 000, bon, on va se prendre le plus rentable, je pense, 32 000. Qu'est-ce que vous en pensez? 32 000, allez, il y a quoi à faire? Conduisez l'excavateur sur le site de construction, transportez 4 mètres cubes de terre à la gravière dans la zone de destinée. Voilà, pour ce genre de truc-là, vous voyez, je pense que ouais, soit ça serait fait en off, ou alors ça serait carrément coupé. Ça serait carrément coupé, je pense. Parce que voilà, l'appel, j'en fais régulièrement. Transporter de la terre, j'en ai fait déjà régulièrement. Donc voilà, obtenir un conteneur de déchets, construction du site de construction, transporter la cargaison dans la zone destinée. Obtenir deux machins bois, voilà. Compte tuile. Donc à mon avis là je pense que niveau cargaison déjà je pense qu'on deux fois les torcher parce que je peux charger le camion en fait je peux charger le camion mais bien comme il faut. Donc à mon avis je pense qu'on va faire ça. Bon bah on va accepter la mission, on va emmener l'appel là-bas, on va commencer à faire ce qu'il y a à faire avec l'appel pour finir cette vidéo. Et pour le coup voilà, donc on va déjà chercher le plateau parce que je crois que je l'avais ramené. Je l'avais ramené. Attends, parce que j'ai pas moyen de lever l'appel, moi. Est-ce que j'ai pas moyen de lever l'appel avec la grue? On va essayer. On va voir si c'est possible. De toute façon, on va voir quand je vais passer à la grue. Il y aura un point qui va s'allumer sur la machine. Si c'est bon. Si jamais on peut. A priori, on peut pas. Je pense que ce serait trop lourd. Ouais, elle serait trop lourde. Bon, bah on peut pas. C'est pas grave, on va aller chercher le plateau. On va aller chercher le plateau pour charger.
pour charger l'appel et l'emmener sur le nouveau site de construction. Parce que le plateau, évidemment, je l'ai pas laissé par là. Tac. Donc peut-être qu'à l'avenir, peut-être que voilà, aussi bien comme je vous ai dit tout à l'heure, aussi bien le jeu dans allez 2 semaines ça va me saouler, je vais arrêter et puis je vais passer sur autre chose. J'en ai fait quoi du plateau? J'ai un problème chef, j'ai perdu mon porte-cher. J'en ai fait quoi? J'ai dû le poser quelque part. J'ai dû le dételer quelque part parce que j'en ai pas besoin pour pas l'avoir trop loin, je pense. J'ai dû le déposer, j'ai dû le poser quelque part. J'ai dû le mettre quelque part, mais où? Alors là, ça c'est la question à million, cette histoire. Merde, il est où? Eh, les gens, j'ai paumé mon... Ah, pas mal. Pas mal, pas mal. J'ai paumé mon porte-charme. Ah oui, bien. Ah oui, ça c'est excellent. Qu'est-ce que j'en ai foutu? Alors, est-ce que je vais avoir moyen de le récupérer, mon bordel? Alors si je fais camion, est-ce que j'ai moyen de le retrouver? Ben non. Et ben non. Parce qu'évidemment, j'ai pas moyen de voir. Là, j'ai ma pelle qui est là, petit excavateur. J'ai le multiband qui est là, mais par contre, les outils, il me dit pas où ils sont. Ah, ah bien, j'ai paumé un outil. Ah, c'est pas mal. Je l'avais pas rangé quelque part par là, moi. Je l'avais pas rangé quelque part par là, moi. Sérieux? Oh les boules! Oh le con! Qu'est-ce qu'on a fait? Alors ça c'est pas mal. Ça franchement c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Bon bah ça c'est pas grave. Ça c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Et puis voilà, on a paumé un truc. Ouais, c'est pas mal. Alors au moins qu'il est quelque part. Ah, au moins qu'il a volé parce que c'était sur le chantier. Au moins qu'il a dû, faire comme l'appel, il a volé je sais pas où. Bah vas-y le trouver toi. Au moins qu'il a atterri chez un voisin quelque part. Bonjour messieurs, vous aurez pas trouvé mon porte-cher? J'ai paumé mon porte-cher. Oh le boulet. J'espère que je suis pas trop loin du nouveau chantier parce que là ça craint. Non, ça va, je suis pas loin. J'ai juste la ville à traverser avec l'appel. Pas grave, hein. Bon, pire, on va le faire, hein. Tant pis, on va le traverser. Voilà, vu que je sais pas où c'est, je sais pas où il est. Donc on va le traverser. Bah, du coup, on va traverser avec l'appel. Tant pis. On va traverser avec l'appel. On va traverser avec l'appel et puis c'est tout, c'est pas grave, hein. Même si ça se fait quand même en réel, ça se fait, mais bon, pas avec des genies comme ça, hein, voilà, mais bon, c'est pas grave. Même si j'avance qu'à 4 km/h, ça risque d'être très long. Ça risque d'être très long. Voilà. Bon, bah, en tout cas, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, bah, pour le coup, voilà, hein, c'est malheureux, mais bon, c'est ce qui arrive quand on paume ses outils. Donc je pense, oui, qu'il a bien... il était sur le chantier, je pense qu'il a volé, le porte-char a volé quelque part. Donc je le retrouverai peut-être un jour, on verra bien si je le retrouve un jour ou pas. Donc ça sera les surprises de la prochaine vidéo. Donc pour le coup, moi je vais vous dire à la prochaine pour de nouvelles aventures sur Construction Simulator. My heart.